Vous êtes en porte-parole de ESG Égalité sans guillemets. Vous avez invité aujourd'hui Mouna Derwish. Alors, quelle a été, pourquoi cette initiative ? Donc, comme vous le savez, il y a depuis quelques mois maintenant des massacres qui se passent en Birmanie, où les Rohingyas sont les principales personnes concernées. Donc, très vite, avec Égalité, on a organisé une manifestation en face de l'ambassade Birmanie. Et en se renseignant un petit peu sur la situation, je suis tombé sur une vidéo de Mouna Derwish qui témoignait pour Oumuin.com d'un témoignage très bouleversant. Et je me suis dit, on ne peut pas passer à côté d'un témoin comme ça qui a été sur place et qui est à Paris, donc pas très loin. Donc il faut l'inviter absolument pour qu'elle nous raconte ce qui se passe sur place et aussi surtout comment il soutenait les Rohingyas depuis la France. Donc voilà pourquoi on les a invités. Dans la Rakhine, à Sitwe, elle a demandé à plus d'une trentaine d'enfants de dessiner ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu pendant les violences de juin. Et dans plus de 30 dessins, systématiquement, vous voyez la couleur rouge, donc le sang, des personnes qui tuent. Vous voyez la police. Donc c'est des enfants qui témoignent à travers des dessins que la police birmane était fortement engagée pendant pendant les violences de juin 2012. Et systématiquement, vous avez des morts dans leurs dessins. Vous avez que ça, dans plus de 30 dessins. C'est que du rouge, que des violences, que des maisons brûlées, que des morts, que des boat people. La rivière aussi, ils dessinaient une rivière, ça voulait dire la mer en fait, quand ils jetaient les corps. Il y a beaucoup de corps qui ont disparu dans les mers. Donc quand l'ONU vous dit qu'il y a plus de 200 morts en Birmanie, c'est complètement sous-évalué. Parce que ceux qui ont été jetés dans la mer, je ne sais pas comment ils ont fait pour les compter. Ensuite, il n'y en a pas eu 200 parce que quand vous parlez avec des leaders rohingyas de Birmanie, ils vous parlent plus de 10 000 morts rien qu'en juin 2012. Donc ça a été largement sous-évalué. Il faut savoir que les Rohingyas, c'est une ethnie musulmane qui vit dans l'état d'Arakan en Birmanie, qui a été déchue de sa nationalité en 1982. Donc ces personnes-là ne sont pas du tout acceptées dans leur état, dans leur pays. Donc ils fuient la Birmanie aux pays frontaliers comme la Thaïlande ou la Malaisie. Donc effectivement, j'ai pu être en Malaisie et en Thaïlande en avril et juin 2013. J'en reviens. Et par exemple, en Thaïlande, j'ai visité un centre de détention où les Rohingyas ont été parqués. Donc il y avait 310 Rohingyas dans moins de 100 mètres carrés on les a parqués parce que ce sont des personnes clandestines. Depuis janvier 2013, ils n'ont pas vu la lumière du soleil. Ils sont en manque ils n'ont pas vu le soleil, donc ça crée des problèmes psychologiques et aussi des problèmes de peau. Il y a une insuffisance de soins médicaux dans ces centres de détention. Les conditions de détention sont extrêmement scandaleuses. C'est un problème qui est lié au niveau international. Il y a un silence médiatique et de la part de la communauté internationale, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques en Birmanie. Il ne faut pas le cacher que la Birmanie est un pays qui est très riche en matières premières. Donc, il dispose de l'or, du pétrole, des pierres précieuses comme le jade, le rubis, le diamant, et ensuite vous avez l'opium. Donc c'est un pays qui fait rêver l'Occident et puis les pays voisins. C'était l'ancien trésor caché de la Chine. Donc aujourd'hui, pour des intérêts économiques, ils sont prêts à faire couler le sang des musulmans en échange de quelques accords économiques. Nous avons envoyé plusieurs courriers. Donc on a commencé par France Télévisions. Nous avons envoyé un courrier pour leur demander de diffuser la réalité birmane. Ensuite, nous n'avons pas eu de réponse. Nous n'avons pas eu non plus de réponse de la part de notre gouvernement français, Laurent Fabius. Nous avons envoyé un courrier aux représentants de la communauté bouddhiste en France qui s'appelle Mathieu Ricard. Nous n'avons pas eu non plus de réponse. Donc on assiste aujourd'hui à un vrai silence de la communauté internationale qui ne souhaite pas du tout se prononcer sur le massacre des Rohingyas
des musulmans en Birmanie. On souhaite aussi interpeller le Dalai Lama. Mais il faut savoir que le Dalai Lama est interdit en Birmanie, donc ça risque d'être difficile pour qu'il se prononce sur la question. Ce sont des bouddhistes qui attaquent la minorité musulmane, mais il faut savoir que ce sont des bouddhistes qui ont été manipulés par le gouvernement birman. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une politique raciste qui a été mise en place par le dictateur Ne Win dans les années 1970 et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le gouvernement birman qui profite de cette population-là pour attaquer les musulmans. Vous avez le groupe extrémiste qui agit en toute impunité, le groupe 969 dirigé par le moine Wiratu, qui, avec son logo 969, tague toutes les mosquées, les écoles coraniques, les maisons musulmanes pour désigner les prochaines cibles à persécuter. Alors vous avez le rapporteur des Nations Unies, Orea Quintana, qui s'est rendu sur place. En attendant, on attend toujours son rapport. Il a été en février 2013. On n'a toujours pas son rapport sur les conditions de vie des musulmans en Birmanie. Concrètement, il ne se passe rien. Moi, je me pose la question, pourquoi au moins l'ONU aurait pu envoyer les casques bleus, au moins pour protéger ces musulmans-là. Et aujourd'hui, ils sont sans défense. Ils ont personne qui les protège, parce qu'il faut savoir que l'armée birmane, elle est aussi impliquée, la police et l'armée birmane est impliquée dans ce génocide. Nous souhaitons jusqu'à aller porter plainte à la Haye, parce que ce n'est pas normal de voir tous ces gouvernements-là inactifs et que les massacres continuent et que vous avez cette prix Nobel de la paix à qui le monde lui déroule le tapis rouge et qui ne se prononce pas du tout, qui garde toujours ce silence assourdissant et qui est intolérable de sa part. À aucun moment elle condamne les violences de ces terroristes. Et puis en plus de ça, vous avez le président américain qui reçoit en tant que président d'honneur M. Thaksin, donc le président birman. Vous avez l'Union européenne qui lève les sanctions en plein massacre. C'est grave. Jusqu'où on va ? Quand j'ai su ce qui se passait en Birmanie, je travaillais pour la Fondation Mère Teresa en Inde, à Calcutta. Donc quand j'ai su en juin 2012 qu'il y a une minorité musulmane qui se fait persécuter, je me suis sentie très mal parce que j'ai jamais entendu parler des Rohingyas, j'ai jamais entendu parler de la Birmanie. Donc c'est un problème humain avant tout. On n'a pas le droit de choisir les opprimés. Un opprimé reste un opprimé. Aujourd'hui, le gouvernement birman prend toutes les décisions nécessaires pour rendre l'accès à l'état d'Arakan très difficile, voire impossible. Aujourd'hui, si une association souhaite aider les Rohingyas, il faut diviser les dons. C'est-à-dire que vous avez des camps bouddhistes qui ont été créés artificiellement, et ensuite vous avez une vraie population qui souffre, qui est dans l'urgence alimentaire, à qui on nous restreint l'accès. Cette population-là, il faut savoir qu'il y a la mousson qui arrive, donc ils n'ont pas de toit, il y a un manque de soins médicaux. Vous avez un enfant sur cinq qui n'atteint pas l'âge de 10 ans. Vous avez des problèmes de malnutrition, des problèmes de santé suite encore une fois à la malnutrition. Donc il faut faire pression parce que cette population-là va falloir la nourrir, sinon on la laisse mourir à petit feu. Toutes les personnes qui sont au courant de ce qui se passe envers cette communauté-là, il faut sensibiliser, parce que comme je le disais, il y a un silence médiatique assourdissant. Donc à nous, à travers les réseaux sociaux, d'en parler autour de nous, de ne pas lâcher la pression, d'écrire des courriers à nos gouvernements et à ces gouvernements-là asiatiques, d'assister aux manifestations, d'assister aux rassemblements, aux conférences. Voilà, c'est aujourd'hui, on est obligé de contourner, on est obligé de passer par là pour faire passer la voix des opprimés. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui un peuple se fait massacrer et qu'on n'en parle pas du tout. Quand on a eu les attentats de Boston aux États-Unis, alors on nous a fait tout un patata au niveau des médias, parce que voilà, c'est des Américains qui se sont fait massacrer. Alors certes, c'est pas bien, c'est malheureux de voir des personnes qui meurent, mais en attendant, vous avez un génocide qui se passe en Birmanie. Donc j'insiste sur les médias. Ensuite, il faut que nous sommes tous concernés par la cause. C'est un problème humain avant tout, avant que ce soit une minorité musulmane qui se fait persécuter. Donc chaque citoyen, moi
j'aimerais que voir ces citoyens-là envoyer des courriers auprès des gouvernements en leur demandant d'agir. Il faut qu'aujourd'hui, cette minorité musulmane soit protégée. En Birmanie, aujourd'hui, vous avez une extension des violences, non pas uniquement liées aux Rohingyas, mais aussi à d'autres musulmans de Birmanie, par exemple à Mektila, à Rangoon, à Wakhan et récemment à Lachio. Donc systématiquement, ce sont les musulmans qui se font persécuter. Donc il faut qu'il y ait une pression de la part de chaque citoyen auprès de nos gouvernements et une pression internationale. En France, nous avons mené plusieurs campagnes de sensibilisation. Donc nous avons fait du porte-à-porte, en fait. Il y en avait beaucoup, beaucoup qui n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. Qui nous ont remerciés d'être venus les voir parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des musulmans en Birmanie, encore moins persécutés. Donc il y a la grande mosquée de Lyon qui est prête à financer notre projet humanitaire pour le Bangladesh. Donc nous souhaitons construire un orphelinat justement au Bangladesh. En France, nous avons des mosquées qui se mobilisent et on espère que ça continuera. Ensuite, par rapport aux aides alimentaires en Thaïlande, en Malaisie, nous avons fait une deuxième en Malaisie, récemment, la semaine dernière. Et en Malaisie, ça n'a pas été difficile de nourrir les Rohingyas qui venaient venir par les boat people, en fait. Les autorités birmanes, vous avez, d'un côté, ils prétendent qu'ils veulent un État 100% bouddhiste. Donc déjà, en soi, si ça, c'est pas une politique de discrimination au niveau de l'État, je ne vois pas ce que c'est. En dehors de ça, il faut savoir que, d'un côté, ils disent qu'ils veulent les faire partir, mais vous avez plusieurs cas recensés de familles entières, de dizaines de personnes qui sont montées sur des bateaux de fortune à destination du Bangladesh, et que la NASAKA, donc la police des frontières, a attendu qu'ils soient bien au milieu de la mer pour venir bombarder les bateaux. Alors quel a été le constat suite à son témoignage ? Mais le constat, c'est une confirmation des massacres qui se passent sur place. Je dis massacre, mais si on a plus l'occasion de discuter, je parlerai de génocide, parce qu'il se passe un génocide en Birmanie, et quelqu'un qui ne voit pas l'ampleur des massacres et du génocide en Birmanie, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est vraiment quand on voit et qu'on lit la situation sur place, on ne peut être que touché. En tant que musulman, évidemment, parce qu'on est les principaux facteurs d'identification, mais aussi en tant qu'être humain, quand on voit une partie de la population qui se fait exterminer pour ce qu'elle est, ça devient inacceptable pour tout le monde. Mais un petit peu malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est inacceptable pour les Rohingyas. Il suffit de demander à quelques responsables d'organisations non gouvernementales ou à n'importe quel de nos hommes et femmes politiques qui sont les Rohingyas qui nous demanderaient, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rapprochements entre ce qui se passe là-bas, peu importe le là-bas, et ce qui se passe ici. Quand j'entends que les Rohingyas, on leur retire leur nationalité, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec l'islamophobie en Europe, en particulier en Belgique, où on commence à retirer la nationalité à certaines personnes qui sont musulmanes. Quand j'entends que les Rohingyas ne peuvent pas travailler, je fais un lien ici avec la communauté musulmane où il y a une discrimination à l'emploi très grande. Quand j'entends les Rohingyas qui n'ont pas le droit de construire des habitations en dur, je fais le lien avec l'islamophobie ici, où c'est pas facile de trouver un emploi ou un appartement. Et donc, qu'y a-t-il lieu de faire au niveau politique? C'est de sensibiliser déjà la population musulmane et lui rappeler, un petit peu la secouer, je parle comme ça parce que je parle aux nôtres, je sais très bien, de la secouer en leur disant, vous savez qu'il vous reste que quelques années à vivre en tant que musulman, vous pourrez continuer à vivre, mais votre foi, vous devrez la garder chez vous. Et aussi au monde politique, en leur disant stop à ce baratin de plus de racisme, vivre ensemble, alors que je les accuse clairement, le Parti Socialiste, le CDH, le MR, Écolo, tous les partis en place, qui sont les principaux vecteurs de l'islamophobie. L'extrême droite qu'on peut critiquer dans tous les sens, l'extrême droite, à mon souvenir, n'a jamais été en Belgique au gouvernement. Pourtant, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un programme d'extrême droite qui est d'application, qui concerne la
population musulmane, que ce soit au niveau de l'emploi, de l'enseignement, un peu de tout. Et donc je fais le lien entre l'islamophobie au niveau européen et l'islamophobie au niveau mondial. Et je ne pense pas qu'on peut analyser la situation des Rohingyas en Birmanie sans la mettre dans un contexte international. Et je ne pense pas aussi qu'on peut se dire pourquoi il n'y a pas autant de soutien ou autant de visibilité de la part des Rohingyas dans nos médias. Je pense que c'est aussi parce qu'ils sont musulmans. Et on peut imaginer quelques secondes les Rohingyas qui étaient en train de massacrer les Birmans si ça ne ferait pas la une de tous les médias. Vous n'avez pas l'impression que les mosquées, les musulmans que vous pointez du doigt, sont un petit peu ligotés dû à cette islamophobie qui règne ici en Europe ? Mais maintenant, il est temps pour les musulmans de se faire leur coming out, comme je vais dire. Il est temps aux musulmans de regarder notre monde politique et leur dire, nous, on est chez nous ici et on revendique nos droits. Il est hors de question qu'on va vous montrer patte blanche pour demander ou avoir le droit de s'exprimer sur certains sujets. Donc, les musulmans sont aussi les principaux responsables de cette censure qui existe. Il est temps pour eux aussi de sortir dans la rue, sortir dans les médias et de parler en leur nom en tant que citoyens belges en disant « Nous, on n'accepte pas que notre ministre des Affaires étrangères se rende en Birmanie alors qu'il se passe un massacre et il n'en touche pas un mot. On n'accepte pas que l'Europe supprime les pénalités, les restrictions économiques envers la Birmanie. Tout ça, ça se passe avec notre argent. C'est facile de dire, oui, mais il y a de l'islamophobie, on ne sait pas parler. S'il y a de l'islamophobie qu'on ne sait pas parler, c'est justement parce qu'il y a une islamophobie grimpante, galopante. Ça fait des années que je le dis, donc on a l'impression que je me répète, mais d'année en année, ça augmente. De pire en pire, il est urgent pour la communauté musulmane de s'organiser politiquement, de faire un groupe qui parle en son nom et qui revendique des droits. C'est pas la communauté musulmane ne demande pas la charité quand elle demande que ses enfants puissent avoir le droit à l'enseignement. Elle demande pas la charité quand elle demande que ses diplômés aient droit au métier auquel ils correspondent. Elle demande pas la charité quand elle demande un logement décent. Donc il est temps pour nous les enfants d'immigrés de se mettre dans la tête qu'on n'est pas des immigrés, on est des enfants d'immigrés. Ok, ça, on l'admet, mais nous, on est des Belges et on demande nos droits en tant que Belges musulmans. Et ceux qui ne veulent pas de musulmans en Belgique ou qui ne veulent pas donner de droits aux musulmans en Belgique, eh ben, je leur dis dégagez. C'est pas à nous de dégager, nous on est chez nous ici, on est chez nous en tant que citoyens belges musulmans. Si l'islam vous dérange, allez à Marrakech peut-être c'est plus facile de vivre dans un monde où il n'y a pas de musulmans. Des gens qui sont nés en Belgique, qui ont grandi en Belgique, qui ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui et quand vous parlez avec eux qui se sentent pas belges, c'est qu'il y a un réel souci dans le fonctionnement de ce pays parce qu'ils vont dans des écoles belges, ils regardent la télévision belge, ils supportent en général les clubs de football belges, et donc parler avec eux et qu'ils se sentent plus proches des Syriens ou des Palestiniens que de la population belge, c'est qu'il y a un réel souci d'éducation. Et là, je parle de l'éducation, pas à la maison. L'éducation en dehors de la maison. Et donc, il y a aussi dans cette radicalisation où beaucoup nous disent « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici ? Ils veulent pas de nous. » Et donc, la communauté musulmane, moi j'entends de plus en plus de musulmans qui appliquent le programme de l'extrême droite sans que l'extrême droite l'applique elle-même. Je parle des gens qui disent « Moi, je vais partir de ce pays. Je vais aller au Qatar, je vais aller en Angleterre, je vais aller au Maroc, je vais aller en Algérie. » Et à ces gens-là, je leur réponds « Vous savez, l'extrême droite, elle veut nous expulser. » Et là, on est en train d'appliquer leur programme sans qu'ils nous expulsent. On se sent plus chez nous, et on part. Mais combien de personnes vont faire ça ?